jette un œil aux boutiques. Améliore tes armes tant que tu le peux, mais perds pas de temps. Ce train partira à l'heure et il t'attendra pas. C'est un bon fly. Tu regretteras pas ton achat. Vendu! Medipack, filtre, couteau, tout ce dont vous avez besoin pour voyager en zone dangereuse. Faut avoir le temps de compter jusqu'à 5, hein. Oh, c'est toi qui vois. Venez, regardez, essayez, achetez. Rock de balle. Je peux plus en vendre, c'est réservé. Ça déborde déjà de tes poches. Bonne affaire. Ça va, les gars. Il est avec nous. Allez, saute dans ce trou, Artyom. On y va, hein? Hé, Andrei, il risque rien là-dedans? Faudrait pas qu'il tombe sur les rails. Bon, pas du transport de luxe. De toute façon, s'il reste, il est mort. Pour lui, ce sera un aller simple à Mianka s'il se fait prendre. Ok, prends ça. Tout va bien. Et toi, tu es mort. Bonne chance. Bonjour, Sergei Sergeyevitch. Voici un petit gars du coin. Thank you.
pourquoi tu t'es engagé dans l'armée? Je suis mes convictions politiques. Moi, je suis là parce que je veux pas crever de faim. Et toi? Moi? Vous connaissez la chanson? Mon père faisait partie de l'armée rouge et son père aussi. C'est une tradition dans la famille. Alors dis-moi, Aleph, perdre armes et bras au combat, c'est aussi une autre de tes traditions? Ils étaient heureux de faire ces sacrifices. Bien sûr. Les ivrognes et les fous sont heureux aussi. Et il y a une pilule noire dans mon sac de munitions. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique? Non, du cyanure, au cas où tu te fasses coincer par l'ennemi. Quoi? Mais... le suicide est un péché. J'irai tout droit en enfer. Écoute-moi, l'enfant de cœur. Un prisonnier des fachos va en enfer dans tous les cas. Crois-moi, la pilule ne fait qu'accélérer les choses. Je pourrais jamais m'ôter la vie. Alors donne-moi ta pilule. Je préfère en avaler deux que de pourrir dans un de leurs stalags. Même l'apocalypse n'avait pas réussi à nous empêcher de nous entretuer au nom d'une idéologie. J'étais sur le point d'arriver sur le front qui opposait les fachos et les communistes. On disait qu'ils s'étaient déjà fait la guerre autrefois et que les fachos avaient perdu. Tu es censé les utiliser pour tuer l'ennemi. C'est vrai, camarade commissaire. Le parti enseigne que seule la doctrine du communiste est capable de montrer le bon sens avec les filets. Seul le bon sens est libre. Nous gardons la loi de notre pays. Quand nous sommes
procédé, ils ont vu que les types qui couraient étaient bourrés. Quelqu'un a dit « Couvrez-vous !» J'y ai dit. 7 hommes de notre unité sont morts. Réveillez-les. 4 kamikazes sont morts aussi.
cherche même pas à me regarder. Je t'ai dit de te baisser. Merci, camarade. J'ai entendu dire qu'il y avait un ranger dans les parages. Bon travail. Je poserai pas de questions sur votre mission ici. On va se regrouper et se retirer. C'était un honneur de vous rencontrer. Et encore merci. Oh merde!
qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'avais repris mes esprits, tout espoir s'était envolé. Les prisonniers des fachos servaient d'esclaves ou de cibles d'entraînement. Pourquoi hésiter? On va buter cet espion rouge et en finir avec lui! On ne devrait pas appeler la Gestapo. Ça leur prendra une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant? Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. Elle est bonne, celle-là. T'as rien à rouge? Et bon sang, t'es qui? C'est la blague de Hunter. Je ferais mieux de l'emmener voir Melnick. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Très bien. Allons vers la voiture blindée. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Drésine. Ensuite, on sera tout prêt. Il restera que la brèche et la station noire. Et la mission, alors ? Hey, Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je veux que tu prennes la mission. On se retrouve à la station noire. Fais gaffe là-bas. Tu devrais neutraliser la toile. On te repérera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Eh ben les gars, bonne chance à vous. Passer les barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, fermons peut-être les yeux sur le fait qu'on est l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis. Ah.
Qu'est-ce que vous faites là? Ce véhicule n'est pas inscrit sur la feuille de transport. On nous a demandé de nous rendre au barrage, plus haut, Air Officier, pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous? Remontez vos visières. Arrêtez! À l'heure! À vos véhicules!
Le voilà! Feu! Après notre affrontement avec les trains des fachos, j'aurais pu penser que le plus dur était derrière nous. Encore une fois, je me trompais. On y est presque. Ullman doit nous attendre à la station noire. Attention! Baisse-toi! Bon sang! Ils avaient besoin de construire toute cette merde! Fais attention, sinon tu vas te faire assommer! Soit tu te baisses, soit tu tires! Ouais, cet endroit file la chair de poule. Fais bien attention dans ces tunnels. Si t'es distrait une seule seconde, t'es mort. On a déjà eu un accident. On l'a retrouvé avec les bottes du type sur la drésine. Écoute-moi. On va bientôt arriver à la station. Elle devrait être déserte, mais tiens-toi prêt au cas où. De la lumière. Je dois y avoir quelqu'un. Abat-le, Artyom! C'est un début. On doit sortir d'ici, vite! Oh! Et voilà! Toi, tu arrives là! Arrive pour qu'on ne cale pas! Thank you.
Drezin. Sinon, on serait fait avoir comme des rats. Oh!
Pavel mort, je me retrouvais seul. Mais je devais rejoindre la station noire d'une manière ou d'une autre. Pullman m'y attendait pour me conduire à police.